Merci à tous d'être venus vous joindre à nous aujourd'hui pour ces états généraux du diabète et pour cette table ronde intitulée « Quelles mesures mettre en œuvre demain pour garantir l'égalité d'accès territorial et social dans la prise en charge du diabète ?» Les infirmières en pratique avancée, c'est un dispositif sur lequel on croit beaucoup à la DGOS et sur lequel on pense effectivement que là aussi, ça permettra de prévenir, j'allais dire, des complications, des sujets au niveau du patient diabétique et ça peut être un vrai plus. Dans certains départements, il est difficile de trouver un médecin traitant. Il faut qu'effectivement on puisse arriver à travailler. Peut-être que le travail du médecin traitant peut être allégé sur un certain nombre de tâches. Et cette tâche, elle peut être confiée à un certain nombre de professionnels de santé médicaux, paramédicaux. J'ai peut-être juste une question en termes de complément pour bien comprendre. Ce programme PASS, en fait, les équipes mobiles, elles vont au sein même des quartiers, en fait, à rencontrer des personnes en difficulté sociale. L'objectif de ces structures, c'est de donner le droit à l'accès aux soins, de leur permettre d'avoir une acculturation aux soins et à la notion de recours aux soins pour des populations qui, en ville, n'auront pas accès à certains types de professionnels. Je pense en particulier aux diététiciens, par exemple. Mais je pense qu'il faut aussi un changement de paradigme, on risque de bousculer un peu les lignes, un changement de paradigme dans la prise en charge du diabète sur les territoires. Alors ça ne remet pas en cause les belles initiatives qui sont évoquées depuis quelques minutes sur la problématique de l'accès aux soins ou de l'accès aux droits. Le dispositif FIDAS est un des premiers promoteurs de ce dispositif au niveau de l'assurance maladie, mais ça ne répond pas en fin de compte à la problématique de renoncement aux soins du diabétique. Parce que vous pouvez toujours, et on l'a beaucoup fait, définir au niveau d'un territoire un certain nombre d'ambitions. Si sur ce territoire, vous n'avez que des professionnels qui sont dans des exercices particuliers exclusifs, si vous n'avez que des spécialistes qui se positionnent sur des spécialités extrêmement fines, ce qui est une tendance, je dirais, assez spontanée, eh bien à ce moment-là, vous pouvez toujours définir votre engagement territorial. Vous n'avez pas les gens pour les mettre en œuvre.